époque où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar. I think that's part of it too. I mean, if they really understood what was happening in Ireland, they would get themselves sorted out and stand on the right side here, because we identify very closely in our struggle for equality and our struggle against oppression. In fact, the whole inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad. But this is where, you know, power comes into it. I mean, upper class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the chance to oppress the women they marry, their daughters. Looking beyond that, then it would suggest that you would want a complete change in society. Definitely. Class change. Definitely. Mm-hmm. Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance. Bonjour et bienvenue sur le podcast Floraison. Un podcast pour une culture de résistance féministe, libertaire, écologiste, antiraciste et antispéciste. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle Pornland. Nous allons parler de pornographie et de comment elle modifie nos identités, cultures et sexualités. Voici quelques notes de lecture réalisées à partir de l'ouvrage Pornland, How Porn Has Hijacked Our Sexuality. En français, Pornland, comment le porno a envahi nos vies. Écrit par Gail Dines en 2010, traduit en français et publié aux éditions Libres. Attention, le contenu de ce podcast peut être choquant. On va y parler de viol, d'inceste, de racisme, de misogynie, de pédopornographie, de pédocriminalité. Dans quel contexte sommes-nous ? Au beau milieu d'une pandémie, les confinements un peu partout sur la planète mettent les femmes dans une position extrêmement vulnérable, souvent en première ligne, confinées, enfermées avec des hommes abusifs. Ainsi, la violence conjugale a augmenté d'environ 30% en France depuis que le gouvernement a mis en place la quarantaine. Le coronavirus est devenu un cauchemar pour beaucoup de femmes, tout comme les personnes les plus précaires et victimes de racisme et d'exclusion. Alors que les industries subissent de lourdes pertes pendant cette période, certains capitalistes tirent leur épingle du jeu et font du profit grâce à la crise sanitaire. Comme par exemple celle de l'objectification sexuelle, la pornographie en ligne notamment. La pornographie. Récemment impliquée dans de nombreux scandales pour avoir laissé des vidéos de viols d'enfants sur son site Pornhub, l'entreprise MindGeek, au chiffre d'affaires de 460 millions de dollars, espère se blanchir en offrant des accès premium gratuits. Cela ressemble a priori à un geste philanthrope et généreux. Cependant, Pornhub est en train de collecter une énorme quantité de données et les monétiser pour faire du profit. Le coût de publicité réalisé par Pornhub exploite la crise du coronavirus et passe sous silence les plaintes dont ils font l'objet, la plateforme étant accusée d'héberger des vidéos de victimes de trafic sexuel. Dans son livre Pornland, Gail Dines dénonce cette industrie pornographique et met en lumière les conséquences horribles de ces sites porno. Dines est une professeure de sociologie et women's studies au Will Cluck College de Boston. Après avoir fait des recherches et écrit à propos de l'industrie du porno pendant 30 ans, elle est considérée internationalement comme une experte sur la façon dont le porno s'infiltre dans nos vies et les effets de cette saturation. Il y a une dizaine d'années, Dines a écrit Pornland et depuis, l'industrie du porno a évidemment évolué. Néanmoins, ses analyses sont toujours pertinentes et d'actualité. Il est important de noter que lorsque Dines fait référence au porno dans ce livre, elle fait principalement référence au genre gonzo. C'est de loin la catégorie de porno la plus regardée, la plus populaire et la plus rentable. Le gonzo représente 95% des productions porno. Le porno gonzo dépeint des rapports sexuels hardcore, violents, des punitions corporelles où les femmes sont dégradées et déshumanisées,
à un point tel qu'elles ne portent même plus de nom. Ce ne sont que des salopes, des putes et des sacs à foutre. Le porno gonzo se fiche des scénarios, enchaînant scène de sexe après scène de sexe, pour que les consommateurs puissent aller droit au but. L'utilisateur regarde juste deux anonymes qui ont un rapport sexuel sur un écran. Il n'y a aucune identité, ni même aucune impression qu'il s'agisse de vraies personnes. Cela renforce l'illusion que le porno est un fantasme dont nous discuterons plus tard. Contrairement aux générations passées, les utilisateurs de porno ont aujourd'hui un accès illimité et facile aux productions gonzo. Encore plus inquiétant, l'âge moyen du premier visionnage est maintenant de 11 ans, selon Dines. En France, la moitié des adolescents de 14 ans ont regardé leur premier film porno, dont le contenu est toujours plus violent. Comment le porno a saturé la culture dominante. Avant de discuter de l'industrie du porno actuelle, nous devons nous concentrer sur une époque révolue, avant l'émergence d'Internet, ce qui est appelé l'âge d'or du porno. Cela va nous permettre de comprendre comment nous en sommes arrivés ici, et comment le porno violent et dégradant est devenu acceptable, voire même célébré dans la culture dominante de la société actuelle. Dines choisit de se concentrer sur trois magazines qui ont ouvert la voie à l'industrie du porno actuel. Elle parle de la relation complémentaire et compétitive entre Playboy, Penthouse et Hustler, qui ont repoussé les limites de ce qui était considéré comme du porno acceptable et mainstream. Ce trio de magazines a préparé le public à accepter le porno hardcore que l'on connaît aujourd'hui. Pour commencer, un magazine qualifié de lifestyle masculin et publié aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale fournit l'espace économique et culturel pour le gonzo. Ce magazine s'appelle Playboy avec Hugh Hefner à sa tête. Avant Playboy, les magazines pornographiques n'étaient pas diffusés dans les réseaux de distribution traditionnels et l'accès aux productions pornographiques était limité. Playboy a brisé cette contrainte en dépassant les cadres économiques, culturels et légaux en place. En 1953, le magazine fait parler de lui avec en une Marilyn Monroe, sexe symbole de son époque. L'objectif d'Hefner était de créer une marque mondiale associée à un style de vie particulier dont le magazine faisait la promotion. Dines nous rappelle que les années 50 voient des changements considérables aux États-Unis. Le baby boom et la croissance économique, l'étalement des banlieues, la pression sociale pour se conformer à la vie de famille et se marier jeune, ainsi que l'avènement d'une culture capitaliste de la consommation. Durant cette période, les médias de masse ont joué un rôle décisif pour légitimer et célébrer l'idéologie pro-familiale, la famille nucléaire envisagée comme l'institution de base de la société. Les injonctions faites aux hommes américains de se conformer à la fois à la vie de famille et aux valeurs du travail ont participé à créer un sentiment hostile envers les femmes. Les femmes sont dépeintes comme cupides, manipulatrices, paresseuses. Elles deviennent les coupables idéales. Ce sont elles qui ont domestiqué les hommes, ce sont donc elles qui les émasculent. Dines affirme que c'est pendant ces années pro-familiales que Playboy fut pour la première fois vendu en kiosque. Nous pensons cependant qu'il n'est pas forcément pertinent de se focaliser sur cette période spécifique, comme particulièrement anti-femme ou pro-familiale, car cela amoindrit les luttes passées et présentes des femmes. En effet, le patriarcat est antérieur à cette période et nous vivons toujours dans des sociétés qui oppressent et tuent les femmes, tout en idéalisant et renforçant les injonctions faites à la famille nucléaire comme unité de base. Les hommes continuent de se plaindre et justifier leur violence au nom d'une supposée crise de la masculinité. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais se répète depuis des siècles. La rhétorique de la crise de la masculinité punit les femmes qui veulent s'émanciper des carcans des stéréotypes de sexe, c'est-à-dire du genre. À sa sortie, Playboy est un succès. Le magazine diffuse et renforce les stéréotypes virilistes, avec par exemple des articles comme « Miss Vedal 1953 » et « La féminisation de l'Amérique » qui avertissent le lecteur masculin. Il y a encore quelques générations, nous étions dans un monde d'hommes, rien ne pourrait être plus éloigné que la situation de 1953. Playboy va devenir un manuel pour les lecteurs qui ont été élevés en pleine Grande Dépression,
pendant la Seconde Guerre mondiale et le conservatisme sexuel, en les aidant à devenir des consommateurs distingués de marchandises et de femmes. Dines montre en détail comment l'idéologie misogyne dont Playboy fait la promotion n'a en fait rien de nouveau, bien qu'elle soit critique du mariage. Elle étudie aussi les techniques de marketing innovantes employées par Hefner. Nous vous recommandons fortement de lire ces passages. Après son ascension dans les années 50, Playboy va rencontrer un concurrent tenace dans les années 70, le magazine britannique Penthouse. La compétition entre ces deux magazines ouvre les vannes à des productions encore plus objectifiantes. Hefner a de façon grossière nommé cette période du public wars, les guerres pubiennes. Après ce travail préparatoire effectué, le climat est idéal pour accueillir un troisième participant à cette fête misogyne, le mensuel Hustler, le premier magazine distribué nationalement qui montre du rose. Hustler cible l'homme américain moyen de classe inférieure, dont les revenus ne permettent pas d'atteindre le mode de vie et de consommation promu par Playboy et Penthouse. Le lecteur idéal d'Hustler est un chauffeur de camion, pas un professeur érudit ni un cadre. En tout cas, c'est comme ça que se décrit le magazine. Mais en réalité, les lecteurs de Hustler ne sont pas issus de la classe ouvrière et gagnent bien plus d'argent que les lecteurs de Playboy, même si Hefner cible pour son magazine les cadres de classe moyenne. Il s'agit d'une ruse de marketing qui permet aux vrais lecteurs de penser qu'ils sont eux-mêmes meilleurs que le vulgaire lecteur macho dépeint dans le magazine. Cela autorise les hommes de classe supérieure d'acheter ce magazine tout en se distanciant de lui comme s'ils étaient en train d'observer et se moquer de la culture des classes sociales inférieures, bien différentes de la leur. L'apogée de ces trois magazines est passé depuis longtemps. Cependant, nous ne pouvons pas sous-estimer l'influence qu'ils ont eue sur le marché du porno et sur la culture. Plus Hustler et Penthouse ont dépassé les limites et plus Playboy est apparu comme acceptable, plus ses valeurs ont pu pénétrer la culture dominante. Quand Internet est arrivé, cette culture dominante avait déjà été bien préparée à trouver la pornographie acceptable, comme élément courant de la vie de tous les jours, plutôt que comme une industrie puissante, produisant des images dégradantes, objectifiant et humiliant les femmes. Playboy, Penthouse et Hustler ont ouvert la voie pour le gonzo dont nous sommes bombardés aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, le porno est partout. Dines fournit des pistes sur la façon dont l'industrie a provoqué son passage de tabou à courant dominant. Elle cite les stratégies de marketing bien étudiées pour dédiaboliser l'industrie du porno et la nettoyer de son côté grossier, et en faire un produit fun, sexy, ludique et libérateur. Ce marketing habile a permis au porno de s'infiltrer dans la culture dominante et nos consciences collectives. Dines cite trois exemples de dédiabolisation utilisés aux États-Unis. Girls Gone Wild, Jenna Jameson et Vivid Entertainment. Nous allons brièvement étudier l'exemple de JJW. Girls Gone Wild, les filles deviennent folles en français, est une émission qui produit des vidéos dans lesquelles des étudiantes font la fête, s'exhibent et parfois ont des relations sexuelles lesbiennes. Le bus JJW traque les adolescentes sur les campus universitaires pour les faire participer à l'émission. Profitant du fait que les adolescentes sensibles à la pression sociale et ayant tendance à se conformer au groupe, l'équipe JJW cible les filles entourées de leurs camarades, les encourageant à montrer leur poitrine et à encourager les autres à faire de même. Joey Francis, le propriétaire de JJW, a soigneusement pensé son produit pour qu'il ne soit pas classé dans la catégorie porno, mais pour qu'il appartienne plutôt au monde de la culture pop. JJW est un produit socialement acceptable, il montre surtout des étudiantes ivres qui batifolent et qui s'amusent. On peut dire qu'il s'agit d'un produit porno commercialisé comme culture pop. Les hommes apprécient ce porno soft car JJW présente des participantes comme étant de vraies filles. Ceci a pour effet deux conséquences. La première, c'est que les hommes ont tendance à croire que les actrices porno ne sont, elles, pas de vraies femmes. Elles sont en dessous. Il y a une hiérarchisation des femmes. Et la deuxième, c'est qu'ils croient que toutes les femmes sont sexuellement disponibles, pas seulement les prostituées. Cela renforce le discours « toutes les femmes sont des salopes ». Dines a interviewé des adolescentes qui regrettent d'avoir été filmées dans JJW, la plupart souffrant maintenant du trouble de stress post-traumatique.
Elles ont subi des pressions pour prendre part à des activités sexuelles en étant ivres devant une équipe de tournage d'hommes plus vieux, et cet instant est gravé pour toujours sur pellicule. Elles vivent avec la peur constante que cette vidéo ressurgisse plus tard dans leur vie. Ces exemples montrent clairement comment la frontière entre culture porno et culture pop est devenue progressivement floue. La culture pop d'aujourd'hui ressemble à la culture porno de 2010. Dines aurait pu aussi mentionner l'industrie de la musique avec ses clips vidéo pornifiés, facilement accessibles aux enfants sur YouTube ou autre. Pour résumer, le porno infiltre la culture dominante. Des magazines de mode aux publicités, en passant par les films, ces marchands ont l'audace d'emballer notre oppression comme une émancipation. Comme Dines le dit, avec justesse, le porno ne devrait pas être envisagé comme une forme d'avant-garde artistique. Il faut le comprendre comme un business dont le produit évolue avec une logique spécifiquement capitaliste. À l'instar d'autres puissantes industries, celle du porno ne se contente pas de juste fabriquer et vendre un produit. Elle fabrique le monde dans lequel ce produit peut être vendu. Les technologies, le business model, les consommateurs enthousiastes, les acteurs, les lois adéquates, et même l'idéologie qui érige le porno comme apogée de l'émancipation et de la libération. Le porno est avant tout un business. Comment quelqu'un peut se proclamer anticapitaliste et soutenir cette industrie multimilliardaire ? Comme le capitalisme mondialisé, le porno glorifie le pouvoir masculin qui exploite, humilie et transforme en marchandise tout ce qu'il touche. Il est difficile de déterminer précisément la taille entière de l'industrie pornographique, mais ses revenus annuels ont été estimés à environ 97 milliards de dollars. Pour donner un ordre d'idée, Hollywood génère à peu près 10 milliards de dollars par an. Comme le dit Andrew Edmond, PDG de la société pornographique Flying Crocodile, beaucoup de personnes ne prennent pas conscience du business model à cause du sexe. Il est aussi sophistiqué et complexe que n'importe quel autre marché. Nous fonctionnons juste comme une entreprise de Fortune 500. Classement d'entreprise. L'industrie du porno ne fonctionne pas en autarcie. Et comme toutes les grandes industries, elle interagit avec des banques, des cartes de crédit, des médias de masse et de nombreux réseaux sociaux. Chacun de ces secteurs a un intérêt économique particulier dans la perpétuation et la croissance de l'industrie du porno. Chaque élément de la chaîne, de la production jusqu'à la consommation, s'enrichit et est complice du renforcement de cette industrie. Dean partage son expérience quand elle a assisté au salon annuel professionnel de l'industrie du porno, Adult Entertainment Expo. Là, elle a appris que les pornographes n'ont pas d'intérêt particulier dans le sexe. Ce qui les excite, c'est l'argent. Avec la prolifération de sites porno qui offrent du contenu gratuit, on peut se demander comment les pornographes arrivent à dégager du profit. En fait, les contenus sur ces sites gratuits fonctionnent comme des teasers pour éveiller l'intérêt du spectateur pour monétiser les vidéos avec de la publicité ou bien diriger les spectateurs vers du contenu payant. J'ai d'abord pensé que ces vidéos gratuites seraient dommageables à l'industrie. Pourtant, ils permettent d'agrandir constamment la base de consommateurs de porno payants. Pour citer Dean, le porno gratuit, c'est comme si l'industrie du tabac offrait des cigarettes gratuites aux enfants pour les rendre accros, sans crainte de poursuites judiciaires. Pour faciliter la croissance du porno dans la culture dominante, l'industrie a créé le Free Speech Coalition en 1991 pour repousser d'éventuelles contraintes gouvernementales. Cette coalition a fait du lobbying, des relations publiques et des contentieux pour aider à limiter les risques légaux des entreprises du X, augmenter la rentabilité de ses membres, promouvoir l'acceptation de l'industrie dans le milieu des affaires et favoriser la tolérance du public sur la liberté de parole sexuelle. L'Association of Sites Advocating Child Protection, ASACP, est une autre association douteuse qui cherche à façonner une image socialement responsable pour l'industrie du porno. Créée en 1996,
La mission de l'ASACP est d'éliminer la pédopornographie d'Internet et d'empêcher les enfants de regarder des vidéos inappropriées pour cet âge. En 2002, avec le procès Ashcroft, la Free Speech Coalition a fait suffisamment pression pour changer les lois sur la pédopornographie, pour que l'industrie du porno puisse employer des femmes qui, bien qu'elles aient 18 ans, paraissent bien bien plus jeunes. L'ASACP sauve les apparences, mais son hypocrisie et sa malhonnêteté à atteindre ses objectifs affichés sont frappantes quand on découvre que Hustler lui-même est membre de cette organisation. Le même Hustler qui dirige Barely Legal Magazine, majeur de justesse, qui se targue d'être le magazine numéro 1 dans le monde avec le plus grand catalogue de petites chéries adolescentes qu'on puisse trouver. Une industrie que le porno a révolutionnée est celle de la technologie. De l'appareil photo Polaroid qui permet de développer des photos intimes aux vidéos en VR d'aujourd'hui, le porno pousse le monde technologique vers ses plus belles réalisations. C'est important de noter que Dean a écrit Pornland en 2010, donc la plupart des récents développements technologiques et leurs ramifications dans l'industrie du porno ne sont pas évoqués dans ce livre, comme par exemple l'omniprésence des écrans, l'arrivée de la réalité virtuelle et l'augmentation du marché des camgirls. Les avancées technologiques ont permis aux spectateurs de consommer du porno en privé, évacuant la contrainte d'aller dans un sex shop douteux. Le schéma récurrent pour ces technologies est le suivant. La pornographie ouvre la voie et exerce une influence disproportionnée sur celles-ci quand elles sont nouvelles, chères et difficiles d'utilisation. Elles créent ainsi un premier marché qui leur permet de se développer jusqu'au point où elles sont accessibles. Le porno a aussi été pionnier de nouveaux business models, comme les abonnements payants en ligne, les systèmes de contrôle antifraude et les techniques publicitaires qui rentabilisent les plateformes de streaming, montrant ainsi le chemin des sites comme YouTube. Tout ça prouve que le porno est devenu un énorme business qui exerce une influence tant législative que politique. L'industrie du porno a trouvé des alliés puissants dans celle de la finance, des médias et de la communication. Pendant que le pouvoir et les profits de cette industrie s'intensifient, il en va de même pour la pornification de la société. Le porno est un fantasme. Une défense de la pornographie que l'on entend encore et encore, c'est que le porno est un fantasme. Il est donc fun et inoffensif. Le point de vue dominant, parmi les apologistes de cette industrie, veut que les images porno apparaissent dans la tête des utilisateurs et qu'elles y restent. Selon cet argument, le porno n'aurait aucune relation avec la réalité. Les images naîtraient de l'imagination des consommateurs, qui peuvent ensuite éteindre leurs écrans sans qu'eux-mêmes, ni le reste du monde réel, ne soient affectés par les images misogynes dont ils s'abreuvent. Bien sûr, les principaux défenseurs de cet argument sont ceux qui ont un intérêt direct dans cette industrie. L'investissement financier des pornographes ou l'investissement émotionnel des consommateurs. Dines croit que le porno façonne la vision du monde des hommes qui s'en servent pour se masturber. Elle rejette cet argument du fantasme, qui est défendu par le psychologue Michael Bader. Selon ce dernier, il est impossible de savoir ce qu'il y a dans la tête des hommes et ce qu'ils pensent réellement des femmes pendant qu'ils se masturbent en regardant du porno, puisqu'ils utilisent leur imagination d'une façon créative. Selon Dines, ces images ne sont pas des fantasmes développés dans l'esprit de chaque consommateur de porno, grâce à leur imagination, leur désir ou expérience. Mais ce sont des images scriptées et produites par des groupes de capitalistes rusés au sein d'une industrie multimilliardaire. Dines choisit de disséquer le raisonnement de Bader, car il est assez progressiste comparé à ses homologues,
et il publie régulièrement des articles critiques sur la façon dont les grands médias marchands ont le pouvoir de façonner et manipuler le public. Il a identifié les médias comme une forme majeure de désinformation, qui vend une vision du monde bien spécifique et légitime de terribles inégalités sociales et économiques. La question principale est : comment arrive-t-il à s'opposer ardemment aux institutions de l'exploitation capitaliste et à leur faculté de déformer la façon dont les gens se représentent le pouvoir, la culture et les politiques, mais en même temps, arrive-t-il à penser que le porno n'a pas d'effet matériel sur ses spectateurs ? Dines pense que ces soi-disant progressistes refusent de s'engager dans une analyse profonde sur la façon dont le porno affecte notre vision du monde. Car il croit que mesurer les effets du porno sur la vie réelle se résume simplement à la question complexe : est-ce que le porno mène au viol ? En rejetant des questions plus nuancées, il ne considère pas l'impact du porno sur la culture dominante, sur les hommes qui en consomment et sur les femmes dans la société. Dworkin et MacKinnon, deux pionnières du féminisme abolitionniste, n'ont jamais affirmé que le porno conduisait un non-violeur au viol. Elles ont plutôt exprimé que le porno a un effet compliqué sur la sexualité masculine et que le viol est une pratique culturelle au cœur de cette société patriarcale, plutôt que de simplement être causée par la pornographie. Le porno est le représentant d'une société de suprématie masculine qui célèbre l'idéologie de la haine des femmes. Quand on place le porno dans un contexte culturel, on voit comment les hommes sont inondés de messages de la part des médias qui déshumanisent les femmes et les décrivent comme des objets sexuels. Ces images fournissent un récit sur les hommes, les femmes et la sexualité. On pourrait rétorquer que ces images médiatiques sont polysémiques, qu'elles ont des significations différentes. Pourtant, on ne peut pas contester le message très clair dont nous avons déjà parlé et qui est envoyé par le porno gonzo aux hommes dans une culture pornifiée et saturée de représentations sexistes. Les femmes adoreraient être humiliées et dégradées. Dines s'explique que les médias jouent un rôle dans la déshumanisation systématique d'un groupe oppressé et réfute l'argument du fantasme en comparant les images sexistes aux images racistes. Les Afro-Américains et Américaines ont protesté contre les films racistes qui dépeignaient les personnes noires comme idiotes et feignantes, parce qu'ils et elles pensaient que ces images ont un effet très réel sur la façon dont le groupe dominant, les personnes blanches, perçoivent les personnes noires. Dines doute fortement que les Afro-Américains et Américaines auraient été satisfaits et satisfaites de l'argument selon lequel ces images sont simplement des fantasmes un peu espiègles et que les spectateurs blancs dissocient la représentation des personnes noires dans les médias en tant qu'idiotes, des personnes noires dans la réalité. Bien sûr, comme la question de « est-ce que le porno mène au viol ?», cela ne signifie pas qu'après avoir vu un tel film, une personne blanche qui n'est pas raciste rejoindrait le Ku Klux Klan, ni que cela aurait un impact très négatif dans une société idéale où les blancs et les noirs seraient traités équitablement. Cependant, dans une société tachée par le racisme, un tel film renforcerait et normaliserait les idées racistes qui sont déjà présentes dans la culture dominante, et ces images légitimeraient l'oppression en cours. Comment la société défend-elle les images sexistes du porno au titre qu'elles sont simplement un fantasme? L'imagerie violente et oppressive est cachée sous le voile de la sexualité, ce qui la rend invisible, et dépeint cette oppression comme émancipatrice. Les effets préjudiciables que l'imagerie raciste a eus sur les vies des personnes noires sont largement acceptés. Cependant, beaucoup refusent encore de reconnaître que les images de femmes qui sont battues, étranglées et sodomisées pendant qu'elles se font traiter de putes et de salopes sans valeur peuvent avoir un effet négatif sur les femmes en tant que classe. Les féministes qui résistent à cette violence se voient qualifiées d'antisexes et putophobes, au lieu d'anti-violence ou anti-haine. Bien que l'on soit d'accord avec la réfutation des arguments de Bader par Dines, nous ne sommes pas entièrement satisfaites de ses recherches. Dines choisit de montrer que le fantasme n'est pas produit dans l'esprit de l'utilisateur,
mais qu'il est créé par une industrie de l'exploitation. Elle défend aussi que ces images sexistes ne sont pas des fantasmes ludiques et qu'elles ont des répercussions sur les classes opprimées. Sans mettre de côté les conséquences des représentations sexistes et de l'objectification sexuelle, j'aurais préféré si Dines s'était en plus concentré sur les sujets de la pornographie. Les personnes réelles, qui sont sodomisées, torturées, électrifiées et matraquées pour le plaisir des hommes. La définition du fantasme est une histoire que quelqu'un crée de son imagination et qui n'est pas basée sur la réalité. Les images porno produites sont en effet scriptées, mais on rappelle que les actrices qui se font pénétrer dans chaque orifice sont bel et bien réelles. Leurs douleurs, souffrances et dégradations sont réelles. La violence produite par l'industrie pornographique contre les femmes est basée sur la réalité. Elle ne doit pas être déguisée et sous-estimée sous des euphémismes en appelant l'exploitation exacerbée un fantasme. Devenir un homme dans une culture porno. Dines réfute la théorie qui dit qu'il est complètement naturel pour les hommes et les garçons de prendre plaisir au porno. Qu'il serait simplement en train d'explorer un désir inné. Les hommes sont socialisés par la culture dominante qui les entoure. Et il n'y a rien de naturel pour les garçons dans le fait d'être poussés et manipulés à se conformer à des stéréotypes de genre oppressifs. Puis, elle analyse les effets néfastes sur les garçons du fait d'être forcés à cacher leurs émotions sous le masque de la masculinité. Par ses conférences universitaires, Dines a présenté les effets du porno sur les hommes et les femmes au fil des années. Ses présentations suscitent toujours des émotions vives chez les hommes. Quand ils sont dénués d'érection, on leur demande de réfléchir, d'explorer leur sexualité et d'examiner leur utilisation du porno pour voir l'impact qu'elle a sur leur vie de tous les jours après avoir éteint leur ordinateur. Voilà ce qu'on apprend, notamment sur les jeunes hommes hétéros. Le porno faisant office de référence et de standard, beaucoup d'étudiants ne se sentent pas à la hauteur quant à la durée de leur rapport sexuel et la taille de leur pénis. D'autres se plaignent du besoin qu'ils éprouvent de se remémorer des images de porno pour atteindre un orgasme avec leur partenaire. Ils ne veulent pas penser à leur petite amie avec la même idée qu'ils se font des actrices porno. Cependant, il devient extrêmement difficile de dissocier les deux. Certains étudiants ont hâte de prendre des vacances sans Wi-Fi pour pouvoir faire une pause dans leur utilisation constante du porno. Ils racontent comment l'addiction au porno affecte chaque facette de leur vie. Et enfin, certains expriment de la colère pour leurs partenaires, car, contrairement aux stars porno, elles ont des limites et ne veulent pas exécuter de sexe porno. Ces hommes confient aussi qu'ils regardent du porno avec leurs partenaires dans l'espoir de les éduquer sur la façon de bien les satisfaire. Que se passe-t-il quand les hommes s'ennuient de la répétition prévisible du porno gonzo qu'ils regardent encore et encore? Des légions de spectateurs facilement lassés sont désensibilisés par le porno. Et pour pouvoir maintenir leur intérêt autant que leur érection, ils cherchent du porno plus hard et violent. Ils éjaculent devant des images qui autrefois les dégoûtaient. Nous parlerons de cela plus en détail dans la partie consacrée aux pornotines. Devenir une femme dans une culture porno. Vous êtes soit baisable, soit invisible.
Avant d'aborder ce sujet, je crois que cette citation de pornographe Max Hardcore annonce la couleur. Je cite « Les femmes sont bien plus compréhensives et conscientes qu'avant du vrai objectif de leur vie. Cet objectif, bien sûr, est d'être des réceptacles d'amour, en d'autres termes, des poupées baisables. » Comme pour les étudiants masculins, Dines a discuté de l'industrie du porno avec des étudiantes. Quand elle présentait sa conférence devant une audience d'université américaine prestigieuse, composée en majorité de classes aisées de la population, Dines a mis en colère de nombreuses étudiantes. Elles l'ont accusé de les priver de leur libre choix et de leur liberté d'adopter la culture porno hypersexualisée. En tant que futur membre de l'élite, ces étudiantes très privilégiées ne voyaient aucune limite ou obstacle sur elles en tant que femmes. Cette sorte d'approche féministe libérale me rappelle la célèbre série Sex and the City. Les personnages féminins de ces programmes sont extrêmement dépendants des hommes et de leur validation. Cependant, elles sont glorifiées comme étant indépendantes et autonomes puisqu'elles peuvent acheter des produits de luxe. L'indépendance de Carrie, Samantha, Charlotte et Miranda est conditionnée par leur faculté et liberté de consommer plutôt que par leur refus de se soumettre au pouvoir des hommes ou aux normes de genre. L'anecdote de Dines et des étudiantes souligne que les femmes n'ont pas besoin de regarder du porno pour être globalement influencées par celui-ci, vu que les images porno et les messages sont adroitement transmis aux femmes via la culture pop. De façon plus inquiétante, le conformisme à la culture porno est vendu comme un choix libre et agent d'émancipation. Ces choix libres m'embêtent. Il nie le fait que nous sommes des êtres sociaux qui construisent leur identité au sein d'un contexte économique, politique et social. Autant de conditions qui ne sont pas de notre fait, que nous ne choisissons pas. Nous sommes socialisés par la culture dominante et les femmes y apprennent qu'elles seront mieux traitées si elles sont féminines, si elles font ce que le patriarcat exige d'elles. Le genre est une construction sociale. En conséquence, nos croyances sur ce qui est un comportement féminin normal est moulé par des forces externes. La culture pop en fait partie. Nous ne devons pas ignorer que nous sommes profondément influencés et affectés par la construction culturelle d'une féminité idéalisée. Les femmes sont amenées à croire que leur adhésion aux images hypersexualisées leur donnerait du pouvoir dans cette société patriarcale. Vu que nous apprenons, grâce à la culture porno, que le pouvoir réside dans notre degré de baisabilité. Kim Kardashian et son clan sont des exemples parfaits de modèles à suivre hypersexualisés. Kim est devenue célèbre après la sortie de ce sextape. Kim a été baptisée de Pufias par les médias de masse, mais cette insulte a propulsé sa carrière pendant que sa richesse a nettoyé son image. Malheureusement pour les autres 99% des femmes et des filles de la classe ouvrière, cette insulte leur reste collée à la peau. À partir d'un autre exemple tiré de Cosmopolitan, Dines étudie la pseudo-indépendance offerte par ses magazines. Avec des articles comme « Comment se maquiller pour séduire un homme ?»« Comment rendre un homme fou amoureux nos conseils ?» et « Neuf astuces pour galber ses cuisses ?» Il n'est pas étonnant que Cosmo se focalise sur ses besoins à lui et ses orgasmes à lui. Ce n'est pas nouveau de voir des magazines féminins focalisés sur le plaisir de l'homme. Cependant, dans le passé, le but était de stimuler ses papilles gustatives plutôt que son pénis. Cosmo et ses équivalents ne font pas la promotion de la sororité parmi les femmes, comme ils aiment l'imaginer. Au lieu de cela, ils rendent glamour la compétition grâce à des articles qui conseillent aux femmes comment coucher avec leurs copains pour être un meilleur cul que ses ex. Les différents conseils de ces magazines féminins ont des conséquences très réelles. Par exemple, Dick, un prisonnier interviewé par Dines, a manipulé sa belle-fille âgée de 10 ans pour qu'elle « consente » entre guillemets, à des relations sexuelles avec lui.
Il a admis que ces processus n'étaient pas difficiles car, je cite, « la culture l'a bien préparé pour ça ». Il a tiré profit du fait que la culture pop facilite les abus sexuels. Cette culture permet aux jeunes filles et femmes de croire que leur valeur est basée sur leur capital sexy. Si elles rongent leur amour propre, elles peuvent développer des troubles alimentaires, dépression, anxiété et faible estime d'elles-mêmes. Socialiser et ne se considérer comme pas grand-chose de plus qu'une poupée gonflable. Dans les années 70, les féministes ont lutté pour la liberté sexuelle. Ça veut dire le droit pour les femmes de rechercher les plaisirs, les désirs et de jouir de relations sexuelles selon leurs propres termes. Nous sommes très loin d'avoir atteint cette fameuse libération aujourd'hui. Le porno perpétue un récit patriarcal et capitaliste. Comme le dit Robert Jensen, je cite, la domination masculine est au cœur de la pornographie, exacerbée par la quête insatiable des profits du capitalisme. Le porno met une étiquette avec un prix sur le corps des femmes, prix défini par les lois et les compétitions du marché, et elles s'en débarrassent quand elles estiment qu'elles ont passé la date de péremption. Un demi-siècle plus tard, et notre sexualité est toujours définie par les hommes d'une façon qui sert leur entrée. Cependant, contrairement aux années 70, les sexualités centrées sur les hommes nus et aujourd'hui vendues à nu, les femmes, comme émancipatrices. Le porno est raciste. Le porno est raciste. Comme on peut l'imaginer, le porno tire aussi parti du racisme et réalise des profits conséquents en filmant des stéréotypes racistes. Le porno est le reflet des médias mainstream, en ce que la majorité des preneurs de décision sont des hommes blancs. Certains acteurs racisés appelle à une plus grande présence noire dans la production de porno. La solution superficielle que Jesse Spencer propose est que les performeurs noirs créent un produit pour notre peuple et notre marché parce que personne d'autre ne va le faire à notre place. On peut bien imaginer à qui « nous » et « notre » cet homme fait ici référence, car on doute que les femmes noires bénéficient de sa suggestion. Dans le porno, la race et le sexe des femmes noires, métisses, arabes, asiatiques, s'entrelacent et les femmes portent alors un statut de double subordination, parfois agrémenté d'une double pénétration. Tous les stéréotypes passés et présents leur sont infligés au moment où elles sont oralement, vaginalement, analement défoncées. Elles sont complètement dégradées. Les études de Dines se situent surtout dans la société américaine. Dans ce contexte, les femmes asiatiques sont les femmes racisées les plus populaires dans le porno. En France, plus influencée par sa propre histoire coloniale, il s'agit plus de femmes arabes, maghrébines, issues de l'immigration, comme le montre la popularité de la catégorie beurette, beurette de cité, beurette soubise, etc., qui arrive en top 4 des recherches Pornhub 2018. Les femmes asiatiques sont représentées comme étant des geishas sexuellement serviles, des poupées chinoises, des nymphos orientales soumises. Elles sont décrites comme étant naïves, obéissantes, petites, mignonnes et innocentes. Bref, ce ne sont pas considérées comme des adultes autonomes. Bien sûr, les corps mêmes de ces femmes sont décrits de façon similaire comme étant juvéniles. Des mots comme « petite chatte bien serrée » sont souvent utilisés pour créer une image où l'homme en question pénètre le vagin d'une enfant et pas celui d'une femme. Mais si le porno infantilise déjà ces femmes, comment peut-il les rendre encore plus impuissantes? En les trafiquant. Sur des sites comme Me Fuck You Long Time, Moi Baiser-toi Longtemps, les femmes asiatiques sont dépeintes comme étant victimes de traite pour des sensations supplémentaires. Le film Asian Street Hookers en est fier. L'Orient Express s'envole vers la Thaïlande et les Philippines et importe une fois encore les poupées locales les plus sexy. Les hommes se masturbent alors devant des images de jeunes filles fraîchement arrivées dans un pays étranger,
incapables de parler la langue locale, sans assistance. Leurs passeports ont été confisqués par le proxénète, qui préférerait les tuer plutôt que de les laisser s'échapper. Ces femmes sont rendues complètement impuissantes, et dans le porno, cet état d'extrême vulnérabilité rend le sexe bien plus épicé pour le spectateur. Petite chatte, contrairement aux femmes asiatiques, les femmes noires, elles, sont vues comme des chiennes autoritaires et dominatrices. Ce stéréotype horriblement raciste n'est pas un phénomène nouveau. Dines cite un célèbre rapport gouvernemental de 1965 appelé le Moynihan Report, qui accuse les femmes noires d'être responsables de la pauvreté de la communauté noire tout entière, car elles émasculeraient la virilité des hommes noirs. Dans le monde du porno, ces femmes têtues reçoivent leur correction. Les femmes noires sont aussi toujours représentées comme ayant un comportement et une libido incontrôlables. Il est donc du devoir de l'homme noir ou blanc de la domestiquer, de la dompter. On ne peut pas parler du racisme dans le porno sans mentionner la fétichisation des fesses des femmes noires. La plupart des titres font référence aux fesses de ces femmes, les réduisant à une partie de corps, un gros cul noir. Elles ne sont plus des êtres humains à part entière dignes de respect. Le porno ghetto est une sous-catégorie du porno noir, et l'histoire est toujours la même. Ces femmes sont sauvages et manquent d'élégance, et elles ont besoin d'un proxénète pour en faire des femmes. Les femmes latino-américaines et arabes sont aussi avilies et objectifiées dans le porno. Le même principe est à l'œuvre, la « race » des femmes les rend encore plus salopes que le standard des femmes blanches du porno. Les hommes non plus n'échappent pas aux stéréotypes racistes archaïques. Alors que les sites porno sont inondés de femmes asiatiques, on voit très rarement des partenaires sexuels asiatiques masculins. Cela reflète la culture pop, il y a très peu de rôles offerts aux acteurs asiatiques, à part en tant que maître d'arts martiaux ou en tant que vieux philosophe érudit avec une barbe. Darrell Amamoto, professeur asiatique à l'Université de Californie et lui-même producteur de pornographie, fait la promotion des Asiatiques dans le porno asiatique. Il explique ce manque d'hommes asiatiques par le stéréotype largement répandu selon lequel ils seraient des nerds asexuels. Dans le porno gay, les hommes asiatiques deviennent féminisés par défaut et donc l'objet sexuel des hommes blancs. Professeur Amamoto est, avec raison, furieux contre cette catégorisation des hommes asiatiques. Il pense que la sexualité des Américains asiatiques a été faussée par le suprémacisme blanc et le colonialisme, et que cela affecte négativement ce groupe. Fait intéressant, professeur Amamoto reste aveugle aux dégâts infligés aux femmes asiatiques par l'imagerie raciste du porno. Dines critique Amamoto car, en fin de compte, il utilise l'imagerie sexiste dominante de la masculinité, basée sur le contrôle des femmes, comme mesure standard des comportements dont devraient supposément s'emparer les hommes asiatiques, ainsi remasculinisés. Avec un tel raisonnement, on réalise qu'Amamoto produit du porno asiatique avec pour l'objectif que les hommes asiatiques puissent jouer l'acte ultime de la masculinité, c'est-à-dire qu'ils puissent littéralement baiser leur propre femme. Contrairement aux hommes asiatiques perçus comme féminisés dans le porno, la représentation des hommes noirs les associe à une masculinité incontrôlable. Les acteurs porno noirs jouent dans la catégorie de porno populaire appelée « interracial ». Un vendeur avec qui Dines a parlé au salon annuel professionnel de l'industrie du porno a résumé ce style en disant « Mes clients ont l'air d'apprécier que les hommes noirs abusent des femmes blanches, séduisant leurs filles et femmes blanches. » Plus un titre est dérangeant, plus il est attirant. La série Black Zella est l'une de mes séries les plus vendues. Oh non, il y a un nègre dans ma maman est aussi une série qui se vend dès qu'elle arrive en rayon. Mes clients ne veulent pas voir un couple interracial amoureux. Ils veulent voir des bites noires énormes satisfaisant ou souillant de jolies jeunes blanches. Comme on peut l'imaginer, les clients dont ils parlent sont des hommes blancs. N'oublions pas la règle d'or du porno. Plus la femme est dégradée, meilleure est l'expérience pornographique pour le spectateur. Et quelle meilleure façon, dans l'esprit du spectateur homme blanc qui veut avilir une femme blanche, que de la faire pénétrer par un homme noir qui, par le passé, était catégorisé comme étant sexuellement déviant et pervers. Comme les femmes noires, les hommes noirs sont similairement réduits à leur organe, le pénis.
Le porno interracial se concentre sur la façon dont la grosse bite noire peut infliger le maximum de souffrance à une chatte blanche bien serrée. Le porno contribue à amplifier et à renforcer les stéréotypes racistes. La femme asiatique soumise mais sexuellement érotique, la femme noire rebelle et brutale, l'homme asiatique geek et asexuel, et finalement, l'homme noir bestial qui répond sauvagement aux besoins de la fille ou la femme de l'homme blanc. Pour citer Dines, alors que ces stéréotypes sont souvent le fruit du passé, ils sont réactualisés chaque fois qu'un utilisateur se masturbe devant eux. Les enfants pornifiés. La société dans son ensemble devient de plus en plus désensibilisée aux images sexualisées des filles. La culture pop est saturée d'images à la fois d'adultes sexualisés et infantilisés et d'enfants sexualisés et adultifiés. Dans cette course, pour demeurer d'actualité et se démarquer, l'industrie du porno doit devenir de plus en plus hardcore. Comme toute bonne entreprise capitaliste, l'industrie du X doit constamment chercher de nouveaux marchés à exploiter jusqu'à valoriser les niches. On a déjà parlé du procès Ashcroft qui a permis à l'industrie du porno d'employer des femmes qui ont l'air mineures à l'écran. Il a aussi ouvert les vannes pour autoriser les images en synthèse de pédopornographie, ainsi que la pseudo-pédopornographie qui infantilise des femmes, une catégorie appelée teen porn. Le teen porn montre des images d'adolescentes qui se font passer pour des enfants, pénétrées par leur père, professeur, patron ou tout simplement par un pédocriminel. La pédopornographie demeure illégale. Cependant, le teen porn qui utilise des jeunes adultes déguisés en enfants est parfaitement légal. En 2002, l'affaire Ashcroft a normalisé ce contenu. En 2006, on enregistre une croissance de 61% sur les recherches de teen porn en seulement 2 ans. Même si les actrices du teen porn sont légalement majeures, ce genre de porno sert toujours à exciter des hommes avec des images d'enfants. De nombreux chercheurs soutiennent que la pédopornographie est utilisée par les prédateurs pour se préparer à l'agression sexuelle d'un enfant, car ces images les excitent et surtout, elles invisibilisent le mal fait aux enfants. Le pédoporno peut également agir comme un manuel qui montre comment commettre cette agression. On pourrait se demander pourquoi le teen porn ne jouerait pas un rôle similaire. La réponse à cette question dépend du pouvoir de crédibilité du teen porn, c'est-à-dire, est-ce que les spectateurs qui se masturbent imagine qu'il s'agit d'enfants ou d'adultes. Pour mieux comprendre le lien entre la pédopornographie et teen porn, Dines choisit d'examiner les 5 catégories de la pédopornographie établies par le chercheur Tony Crone. 1. Les images illustrant la nudité ou la pose érotique sans activité à caractère sexuel. 2. L'activité sexuelle entre les enfants ou masturbation solo d'un enfant. 3. L'activité sexuelle entre adultes et enfants sans pénétration. 4. L'activité sexuelle entre adultes et enfants avec pénétration. 5. Le sadisme. Vu que les actes, les visuels et les récits du teen porn sont inspirés de la pornographie adulte mainstream. Ils rentrent dans toutes les catégories, surtout la 2, la 4 et la 5. C'est ce que nous allons examiner. Catégorie 2. L'activité sexuelle entre les enfants ou masturbation solo par un enfant.
Les sites de Solotin servent d'introduction au teen porn, car le pseudo-enfant découvre sa propre sexualité à l'aide d'un god. Les actrices sur ces sites contrastent fortement avec celles des sites porno mainstream, car elles sont toutes petites, avec de petits seins et sans maquillage. Pour les rendre plus enfantines, les pornographes utilisent des techniques diverses, des accessoires tels que des peluches, des sucettes, des appareils dentaires, des uniformes scolaires, etc. Des titres comme « petite », « mignonne », « serrée » et « minuscule » sont utilisés pour décrire les corps des pseudo-enfants, alors que les femmes sur les sites de porno mainstream sont appelées « pute », « sac à foutre », « salope du ghetto ». Ces sites de teen solo se réfèrent à la pseudo-enfant avec des mots affectueux comme « chérie », « trésor », « petit ange », et tout cela garantit que les actrices soient perçues comme des enfants innocentes et non pas comme de vieilles putes répugnantes. Catégorie 4. L'activité sexuelle entre adultes et enfants avec pénétration. Avec des sites tels que Dépucelage, Vierge sanglante et Sexe première fois, le spectateur voit une femme pseudo-enfant qui est pénétrée pour la première fois. Les rapports sexuels sur ces sites sont très différents du porno gonzo, car l'homme caresse et embrasse la pseudo-enfant comme pour prouver qu'il y a authentique consentement. Les femmes ressemblent à des débutantes, leurs mouvements sont maladroits, leur positionnement est anormal et empoté. Est-ce que ces femmes sont des novices fraîchement recrutées ou bien jouent-elles volontairement la maladresse? Cette deuxième hypothèse est improbable, car ce sont de petites productions, la probabilité que leur talent d'actrice soit si grand est infime. Gail Dines pense qu'il est probable que ce soit le premier film de ces femmes, ou, dans le pire des scénarios, pour citer Dines, l'industrie du porno filme la perte de virginité de ces femmes pour qu'elles soient diffusées en boucle pour le plaisir masturbatoire des hommes. Cette notion de perte de virginité nous dérange et on préférerait qu'il ne soit pas employé. La virginité n'est pas un terme médical. Elle est une construction sociale utilisée pendant des siècles pour humilier et contrôler les corps des femmes et des filles. En ce qui concerne l'hymen, certaines femmes naissent sans hymen, certaines le rompent en faisant du vélo ou en utilisant un tampon. Donc, la rupture d'un hymen ne correspond pas toujours à la pénétration d'un vagin. Catégorie 5, le sadisme. Ces sites de teen porn entrent également dans le genre gonzo. Les femmes impliquées ont des corps juvéniles et enfantins. Et ici, le pornographe en tire parti et insiste sur les énormes bites qui vont déchirer, détruire et fendre les orifices pas complètement développés des adolescentes. Pour rendre tout cela plus dégradant, les soi-disant jeunes vierges sont souvent mises entre les mains d'hommes au moins trois fois plus âgés. Non seulement le teen porn sadique romantise les énormes différences d'âge, mais il donne encore plus de pouvoir aux vieil acteur en soulignant l'inégalité économique entre les deux. Un autre scénario, qui est souvent utilisé pour augmenter le déséquilibre de pouvoir, est la relation classique de patron-travailleuse avec des titres tels que « La babysitter bourrée », des spectateurs peuvent se masturber sur des jeunes femmes qui n'ont pas la capacité de consentir en raison de l'asymétrie du pouvoir et de leur état d'ébriété. Certains spectateurs aiment croire qu'ils éjaculent en regardant des relations sexuelles consenties, encore plus lorsqu'il s'agit du teen porn inceste. Ce genre est très populaire et les relations incestueuses père-fille sont les vidéos préférées de cette catégorie. Pour alléger la conscience des spectateurs, le porno inceste se donne beaucoup de mal pour mettre la responsabilité de ce viol sur les filles.
sur les sites comme La pute de papa, l'inceste père-fille a lieu parce que les filles sont séduisantes et manipulatrices. Ce sont elles qui contraignent le malheureux père à accepter leurs avances sexuelles. D'autres sites ne prennent même pas la peine d'employer cette technique de fille manipulatrice et le père séduit juste sa fille obéissante. Plus souvent qu'autrement, ces films racontent l'histoire d'une fille dont la mère est décédée des années auparavant et qui n'est plus présente pour la protéger des avances de son père. Au début, elle a peur et est horrifiée à l'idée d'être baisée par son père, mais elle succombe finalement et cela se traduit par le meilleur coup de sa vie. Ce scénario en rappelle un autre, tristement bien réel, car plus de la moitié des filles abusées sexuellement par leur père n'ont pas de mère présente dans leur vie au moment de l'abus. Ces filles sont isolées et aux mains de leur père pervers. La psychiatre Judith Herman décrit le profil commun des pères abusifs. Ils subviennent aux besoins de la famille, estiment qu'ils ont le droit d'être nourris et servis à la maison, d'abord par leur femme, puis par leur fille. Ils envisagent ensuite leurs filles comme des femmes de substitution qui comblent le vide laissé par l'épouse. Une série populaire de teen porn, appelée Cherry Poppers, montre comment ces vidéos peuvent servir de manuel d'instruction pour les pédocriminels. Dans une scène de Cherry Poppers, un homme retrouve la petite sœur de sa partenaire toute seule et il lui propose de lui donner des conseils pédagogiques sur ce que les garçons aiment. Il lui montre comment caresser un pénis, puis comment faire une fellation. Il commence à doigter son vagin et son anus. Dines nous informe que c'est une technique souvent utilisée par les violeurs pour distendre le vagin et l'anus d'un enfant pour qu'il ne soit pas plus tard déchiré par un pénis d'adulte. Tout au long de ses actes, l'homme la rassure sur le fait qu'elle est une petite fille sage avant de lui demander de se qualifier elle-même de petite conne. L'homme alterne entre la gentillesse et la cruauté tout au long de la séquence. C'est un geste stratégique utilisé à plusieurs reprises par les violeurs pour confondre, effrayer et attirer leurs jeunes victimes. La toute dernière scène reflète terriblement les vrais viols d'enfants quand l'homme prend une photo de la petite fille nue, recouverte de sperme. Les agresseurs d'enfants prennent très souvent une telle photo après leur viol. Cela leur sert de trophée à garder pour plus tard, revivre leur expérience ou la partager avec d'autres hommes. Cela sert aussi à effrayer l'enfant pour qu'elle reste silencieuse et enfin montrer aux prochaines victimes ce qu'il attend d'elle. Il n'y a aucun doute, Cherry Poppers et les milliers et milliers d'autres sites de pseudo-pédopornographie légitiment les enfants comme partenaires sexuels possibles pour les hommes. Encore pire, certains de ces sites dégueulasses osent lancer un défi masculiniste aux spectateurs, ils les testent et les tentent. Un site d'inceste en animation dit ainsi aux spectateurs que s'il regarde les films présentés ici, c'est qu'il n'a pas encore eu le courage de pratiquer l'inceste et qu'il peut fantasmer sur ce que d'autres ont déjà essayé. Le message véritablement transmis, c'est que si vous êtes assez viril pour vous masturber devant ces images transgressives, alors serez-vous assez courageux pour passer à l'étape suivante et avoir des relations sexuelles incestueuses. Comme avec le porno mainstream, les consommateurs peuvent devenir désensibilisés et s'ennuyer suite à une utilisation régulière. Les hommes sont excités par les femmes soumises, et une fois écumé le pseudo-pédoporno, il n'y a qu'un endroit où aller, le vrai pédoporno, car qui est plus soumis qu'un enfant ? Heureusement, cette descente dans le pédoporno n'est pas automatique pour tous les consommateurs de pseudo-pédoporno. Cependant, cela incite certains hommes à franchir le pas. Les sociologues féministes Diana Russell et Nathalie J. Purcell affirment que ces sites pseudo-pédoporno peuvent servir de pont entre la pornographie d'adultes et le pédoporno. Si cette analyse est correcte, la popularité croissante du pseudo-pédoporno augmentera la demande de pédoporno.
En 2009, Dines a interrogé 8 hommes en prison pour avoir agressé sexuellement un enfant et téléchargé du pédoporno. De ces interviews, Dines a noté que la durée entre le premier téléchargement de pédoporno et l'agression sexuelle d'un enfant était d'une année en moyenne. Un délinquant sexuel en particulier a admis franchement que regarder le porno avant de violer ses victimes le mettait d'humeur. C'est l'effet désastreux de l'hypersexualisation des jeunes filles dans la culture dominante. Cela érode les normes sociales qui tentent de protéger les filles des abus sexuels des hommes. Dans cette culture clafite de pornographie, les filles sont forcées de rentrer dans la catégorie femmes de plus en plus jeunes. Puis, perçues comme telles en tant que femmes, elles sont comme un jouet pour l'usage des hommes, leurs plaisirs et leurs abus. Vous êtes anti-porno. Ça veut dire que vous êtes anti-sexe? Le porno est si ancré dans la culture dominante que critiquer le porno équivaut à être considéré anti-sexe. Je trouve que c'est le contraire qui est vrai. Pourquoi est-il si difficile pour beaucoup de comprendre qu'on peut être pro-sexe mais contre la marchandisation et l'industrialisation du désir humain? Pour critiquer la rhétorique fallacieuse anti-porno égale anti-sexe, Dines pose la question suivante. Si son livre était une critique des conditions d'emploi abusives de McDo, sa destruction des écosystèmes et son impact négatif sur l'alimentation et la santé, est-ce que quelqu'un le traiterait d'anti-manger ou anti-nourriture? Elle soupçonne que dans ce cas, le lecteur serait capable de séparer l'industrie, qui est McDo, et le produit industriel, le burger, de l'acte de manger. Sachant que cette critique est centrée sur l'impact à grande échelle de l'industrie de fast-food et non sur le besoin humain de consommer de la nourriture, ni sur le plaisir que l'expérience de manger procure. Question. Le porno parle-t-il de faire l'amour ou faire la haine? L'histoire que le porno Gonzo nous raconte sur les femmes, les hommes et le sexe est cohérente, autant qu'elle est violente. Bien sûr, cette histoire est cohérente, car elle est produite et distribuée par une industrie. Par conséquent, les images sont scriptées, en série et standardisées. Une étude faite en 2010 sur les 50 meilleurs films porno loués a montré que l'agression physique, y compris l'étouffement, les gifles et le bâillonnement, se produisait dans plus de 88% des scènes, tandis que l'agression verbale, qualifiant les femmes de putes et de chiennes, figurait dans presque la moitié des scènes. Dans le porno, les femmes sont des êtres unidimensionnels, liés par deux caractéristiques communes, l'absence du mot « non » dans leur vocabulaire, et leur empressement et leur enthousiasme pour le sexe aussi brutal et déshumanisant que cela puisse être. Les orifices des femmes sont étirés au-delà de leur capacité dans des proportions inhumaines, car, nous dit-on, plus l'acte est douloureux, plus la femme est excitée. Le martèlement excessif par un pénis dopé au Viagra conduit à dépasser les limites physiques et entraîne des vagins endommagés, des anus enflés, des mâchoires douloureuses, etc. Le porno Gonzo ne prend pas la peine de développer des scénarios élaborés. Cependant, l'histoire racontée est toujours la même. Les femmes seraient par nature des putes, grâce à des titres tels que « N'importe quelle chienne suce une bite pour quelques dollars » et « Cette salope ferait n'importe quoi pour payer son loyer », on apprend que chaque femme a un prix et peut être achetée facilement. Étonnamment, ces putes, qui n'aiment rien autant que d'être baisées, n'ont aucune imagination sexuelle personnelle étant donné que leur désir se limite à ce que l'homme veut, lui. Au lieu de chercher et de demander à être satisfaites, leur seule requête est que l'homme les pénètre encore plus fort. Aussi, des réalités liées au sexe, telles que la fécondation, les MST et les blessures corporelles,
ne leur passe jamais par la tête et elles ne sont pas gênées d'être constamment insultées. Elles sont comme immunisées à être traitées de salopes, de putes stupides, de chiennes, de sales chiennes. Elles aiment le sexe avec des hommes qui n'expriment rien si ce n'est que le plus grand des mépris pour elles. Plus les insultes sont horribles, plus l'orgasme est grand. Contrairement aux femmes qui sont dépeintes comme des robots putes, les hommes sont décrits comme des robots baiseurs sans âme. Les hommes, dans le porno, n'ont ni émotion, ni vie, à part bien sûr leur pénis qui bande. Ils ne montrent aucun amour, aucun respect, aucune empathie quand ils pénètrent les femmes, peu importe les souffrances atroces que subissent leurs partenaires. Souvent, le money shot marque la fin d'une scène, quand l'homme éjacule au visage de la femme. Cette éjaculation est comparable à un chien qui pisse sur un objet pour marquer son territoire. L'homme marque la femme comme sa propriété et un bien d'occasion. Dépourvu de sentiments, pendant, il reste aussi froid et détaché après le coït, ne montrant aucune affection pour la femme enduite de sperme. La popularité de l'éjaculation faciale est aussi une des conséquences du média vidéo en lui-même qui doit tout montrer sous forme d'images explicites pour que les spectateurs soient sûrs que l'éjaculation a bien eu lieu. Le sentiment que l'on associe normalement aux relations sexuelles, respect, égalité, tendresse, affection, connexion, sont négligés et remplacés par des sentiments de dégoût, de mépris et de peur. Pour Cété Deans, dans le porno, l'homme fait la haine à la femme puisque chaque acte est conçu pour infliger la quantité maximale de dégradation. Le but du sexe porno est d'illustrer combien il a du pouvoir sur elle. Si vous retirez le respect et l'affection présents dans le sexe, vous devez le remplir avec quelque chose pour qu'il y ait une consistance. Le porno est rempli de mépris, de violence, de haine et de cruauté. Quand vous perdez l'intérêt des hommes, il faut monter d'un cran et proposer une production plus extrême, puis peut-être envisager le pseudo pédoporno, et cela mène certains hommes jusqu'au pédoporno. Vous pouvez vous dire qu'il s'agit d'une analyse extrême, mais le but du porno est bien d'érotiser le sadisme. Pour citer André Dworkin, chaque violation du corps d'une femme peut devenir du sexe pour les hommes. C'est la vérité essentielle de la pornographie. On pourrait aussi conclure qu'il s'agit d'un matériel de propagande de guerre, de la guerre menée contre les femmes. Si vous n'êtes toujours pas convaincu que le porno porte sur faire la haine et non l'amour, alors on vous invite à jeter un œil au forum réservé aux consommateurs de porno où ils discutent de leurs scènes favorites. On n'avait jamais lu autant de haine envers les femmes et on espère ne jamais le refaire. Les messages sur ces forums rendent malade. Avant de terminer, quelques faits sur la pornographie. Les sites porno reçoivent chaque mois plus de visiteurs que Netflix, Amazon et Twitter combinés. Environ un tiers de tous les téléchargements en ligne aux US sont liés au porno. Pornhub, autodécrit comme le premier site de porno gratuit au monde, a reçu 42 milliards de visites en 2019. 42 milliards. Dans une analyse des films porno les plus loués et vendus, des chercheurs ont trouvé que 88% des scènes analysées contiennent des agressions physiques, principalement fessées, étouffements, étranglements. Une méta-analyse de 22 études entre 1978 et 2014 dans 7 pays différents a conclu que la consommation de pornographie est associé à une probabilité accrue de commettre des actes de violence verbale ou d'agression sexuelle, peu importe l'âge. Dans une étude sur des étudiants masculins, des chercheurs ont trouvé que 83% déclaraient regarder de la pornographie mainstream et que ceux-ci étaient plus enclins à dire qu'ils commettraient des viols ou agressions sexuelles, s'ils savaient qu'ils ne seraient pas poursuivis, que ceux qui n'avaient pas regardé du porno au cours des 12 derniers mois. Un sondage au Royaume-Uni révèle que 44% des garçons âgés de 11 à 16 ans qui consomment de la pornographie ont déclaré que le porno leur donne des idées sur le type de sexe qu'ils veulent essayer.
75% des femmes de 18 ans disent que la pornographie a conduit à une pression sur les filles et jeunes femmes sur comment se comporter. 70% des personnes de 18 ans disent que la pornographie les conduit à des attitudes irréalistes à propos du sexe et que la pornographie peut avoir un effet dommageable sur la façon dont les jeunes voient le sexe ou les relations. Une étude sur 804 Italiens et Italiennes âgés de 14 à 19 ans a découvert que les garçons qui ont vu de la pornographie étaient significativement plus disposés à déclarer avoir harcelé sexuellement ou forcé quelqu'un à avoir une relation sexuelle. Les effets du porno sur les garçons. Une recherche étendue révèle que les garçons exposés au porno depuis un jeune âge vont plus souvent avoir des attitudes qui encouragent le harcèlement sexuel et la violence contre les femmes, croire des mythes sur le viol qui le justifient ou qui le défendent, avoir moins d'empathie pour les victimes de viol, avoir des tendances comportementales de plus en plus agressives, faire pression sur leur partenaire pour s'engager dans un sexe style porno, c'est-à-dire douloureux, nocif, dégradant, agressif, etc. Avoir des difficultés à développer des relations intimes, développer des inquiétudes sexuelles et un usage compulsif d'Internet, avoir un niveau plus élevé de troubles de l'érection, ressentir l'anxiété, la dépression, la faible estime personnelle et perte d'intimité. Et puis les effets du porno sur les filles. Une recherche étendue montre que les filles exposées à un jeune âge à des images de culture pop hypersexualisées vont plus souvent. Alors elles vont avoir de hauts niveaux d'anxiété et de dépression, souffrir de faible estime personnelle, avoir une plus grande tendance à développer des troubles alimentaires et l'automutilation, s'engager dans des comportements sexuels risqués, développer une image de leur corps négative et une auto-objectification, et avoir de plus grandes chances d'abuser de drogue et d'alcool. Pour conclure, je suis d'accord de tout cœur avec Gail Dines quand elle dit que l'hypersexualisation des médias et la pornographie sont une crise sanitaire publique à l'ère des technologies numériques. Nous ne pouvons pas ignorer cette discussion plus longtemps. Rester silencieux, c'est être complice. Il nous faut nous libérer de ce à quoi la sexualité ressemble en régime capitaliste, misogyne et des images industrielles qu'il produit. Collectivement, nous devons riposter contre cette industrie envahissante et colonisatrice. Car tant que le porno existera, les femmes ne seront jamais vues comme des êtres humains à part entière, dignes de respect autant que les hommes, mais plutôt comme des objets, comme des marchandises. Accutons les survivantes du porno, de la même façon que nous devons accuter celles de la prostitution. Il faut mettre fin à la demande, mais plus important encore, il faut mettre fin à l'offre. Certains sites font preuve d'une négligence intolérable en réalisant des profits sur des vidéos de viols et des enfants victimes de trafic. Une jeune fille de 15 ans disparue pendant une année a finalement été retrouvée quand sa mère a entendu dire qu'elle apparaissait dans les vidéos d'un site. 58 vidéos de son viol ont été découvertes sur Pornhub. Tenant ces sites pour responsables de leurs actes, exigeant leur fermeture aujourd'hui. La pornographie est une arme. Son objectif est d'aliéner les hommes, objectifier les femmes, de renforcer les stéréotypes racistes, de sexualiser les enfants et de rendre quelques hommes blancs très très riches. Pour construire des sociétés égalitaires basées sur des cultures féministes et antiracistes, nous devons absolument mettre à bas les industries de l'exploitation sexuelle. Il faut mettre
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Partagez-le si vous êtes intéressé. Merci pour les personnes qui nous soutiennent sur Tipeee et ailleurs. Ni patrie ni patron, ni mari ni porno. Vive la liberté et vive l'anarchie. À bientôt sur Floraison. But when people fight, that is something. It does grab the attention, and it should, because it's real stuff. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, no one gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal, except it doesn't work that way. Il faut pas oublier que la première des violences, c'est celle que mon frère a subie. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait 2 ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants, qui sont l'État et la justice, qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait des soldats malgré nous. Our planet is dying. Actually, she's being drawn and quartered. We are on the verge of complete biotic collapse. And that is 500 million years of evolution gone. We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder, what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.